N'importe quel joueur qui se prend une humiliation, il sort, il sort. Oh là là, il a renommé. Merci, c'est ça qu'on veut voir, nous. Pas mal. C'est là, on se fait critiquer, les gars. Et il vient encore. Nous, si on veut, on transforme un tournoi, frérot. Salut YouTube, c'est Coach, ça va ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de ce tournoi. Hier vous avez vu qu'on était à égalité de goal average, donc du coup on a la chance de participer au tir au but. Si on gagne, on passe, si on perd, on est éliminé. C'est parti les gars, let's go! La YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série de vidéos. Après avoir rejoint et constitué ma team à Paris, nous sommes partis à Lyon pour ce tournoi de la Summer Cup organisé par le PLS Gang. Malheureusement, la première journée s'est soldée par un match nul et une défaite qui nous entraîne au pénalty contre la team Petit Délire. En gros, si on gagne, on passe aux demi-finales. Si on perd, on est éliminé du tournoi. Autant vous dire que la pression est là. On s'est levé ce matin en prenant le petit déj tranquillement autour du terrain. Et là, on va faire le petit jeu de la vibration fait à Livry-Gargan lors de la vidéo avec Nassim, pour détendre un peu l'atmosphère juste avant la séance des tirs au but. C'est parti. Catastrophique, Kinza. Les gars. Oh là là. Urban, quoi? Joue, t'arrêtes, t'as fait 3, là. Tu la mets là. Non, c'est pas sur la soirée de passe, il est toxique. Ouais, t'as plus trop. Il est toxique de plus. Putain, en plus, je me suis dit non, il va la faire et je sais pas pourquoi je pousse sa mère. Bon, je vous explique, la team Petit Délire vient nous voir juste avant la séance de tir au but pour nous proposer de faire un match pour nous départager. J'allais accepter lorsque Mohamed dit non, gardons notre focus sur les pénaltys, on s'est préparé pour ça, restez concentrés. Je décide de le suivre et de lui faire confiance, on va voir ce que ça donne, let's go. On va chercher au dernier moment, là on est bien dedans, on est concentré. Mais oui, s'il demande ça, c'est bien, ça va. Bravo, bravo. Ah, j'aime bien. C'est rentré dans ta tête, ouais, je sais pas. Ça veut dire qu'ils ont peur des tirs au but. Ouais. Si on vise la gagne, c'est mieux pour nous tirer au but. Bon les gars, qui se sent tirer déjà? Moi je tire. On a qui? On a 1, 2, 3, 4. Moi je tire, 5. C'est bon? Inza? Nassim? Après le premier, je sais pas, mais je tire. Et moi? Qui se sent mieux en tirant en premier? Moi je m'en fous, moi, sous les je tire en premier. Vas-y Nassim, premier. Déjà pour tirer, vous prenez tous votre façon de tirer, tu vois, chacun fait son truc et tout. Juste une fois que vous avez fait le choix et que si vous tirez en anticipation ou en une décision, soyez à 100% confiant en vous et voilà, lancez votre frappe sans hésiter. Après JMK, on compte sur toi. Ouais. Hein, fais comme tu veux, si tu veux faire le gardien sérieux, fais-le, si tu veux faire le show, fais-le. Les autres, si vous voulez déconcentrer, allez-y. Et on espère qu'on se qualifie pour le prochain tour. Ok, oui. Allez, vas-y, chauffez-vous et c'est parti. Attends, d'abord, je fais les mains d'abord. J'annonce, JMK il en arrête minimum 2. J'annonce, c'est pour JMK la qualif. Ah ouais, t'es un bâtard. Mais c'est un bâtard. Ah, t'es un bâtard, Mehdi. Ah ouais, t'es comme ça. Minimum 2. T'es sorti de la sauce. Ça veut dire, ça peut être 3 à 4. T'es sorti de la sauce, tu mets de la sauce. Ah ouais, Mehdi, ah. Mehdi, c'est comme ça. Ah ouais, j'ai capté. Ouais, tu nous as toujours dit les pénalties, c'est ta spécialité. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai confiance en mon gardien. Chiche! Regarde dans ta tête! Oh bâtard! A droite, à gauche, maintenant! Les gars, je vais faire ça là-bas! Excellent, il va nous faire la même, c'est bon, j'annonce, il va nous faire la même là! L'arrêt de ouf! Bon, j'espère qu'il va le faire en vrai parce que là, s'il le fait ici, c'est bon, mais on veut ça au tir au but! On est prêt, on est chaud. Direct. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? C'est comment les balles? Yeah.
encore. Ah, il a voulu me provoquer. Bah, la réponse, elle est là. Au dernier moment, là on est bien dedans, on est concentré. C'est ouais. De rentrer dans ta tête, je pense. Ouais, on va pas changer au dernier moment, là on est bien dedans, on est concentré. A few moments later. Ok, malheureusement on a perdu à cette séance de tir au but. Je vais vous dire la vérité, juste avant de cette séance, l'équipe de Petit Délire est venue nous voir, elles nous ont proposé de faire un match de 10 minutes. On a voulu accepter mais au final on s'est dit on est plus confiant sur les pénalties parce qu'on était fatigué de la veille et tout. Mais en fait on s'est fait avoir, ils ont mérité leur victoire, franchement big up à eux, c'était les plus anciens du tournoi. Voilà, les plus, on va dire, les vétérans, ils ont réussi à tenir et même nous impressionner. Ils ont eu la force et tout. Bon courage à eux pour la demi-finale. Je sais que ça va pas être facile parce qu'ils ont une équipe en face qui va être archi forte. Mais voilà. Ok les gars, la petite finale de consolante, même si on a fait un bon tournoi quand même dans l'ensemble. Ouais, franchement, c'est pas grave. Mon gars, Abdoulaye Sarr, vous connaissez les vidéos et tout. On s'est mis d'accord en fait pour le prochain match, comme c'est une petite finale. N'importe quel joueur qui se prend une humiliation, on le sort. Exactement. Voilà. Il sort. Il peut rentrer après, mais il sort. On va se consulter sur le côté. Exactement. Humiliation. Allez, tu dégages. Exactement. C'est parti. Donc, du coup, je vous explique. On a mis Loris au but. On va voir ce que ça donne. Monsieur Garnier, c'est la conférence de presse là. On veut savoir si ces rumeurs sont vraies ou si elles sont fausses. Je pense qu'il y aura une nouvelle détection qui va être faite pour la saison 2020-2021. D'accord. On a subi 4 tournois de qualité qu'on a, on a même pas passé le premier tour. Oh là là. Au bout d'un moment, les sponsors nous quittent. J'annonce, d'accord, je ferai la pub moi aussi. Il y aura des détections pour rejoindre le Urban Ball FC. Je m'auto-proclame coach, d'accord. Oh. Oh, oh, stop, oh le stop. Bon, oh, le stop, ce joueur-là ne fera plus partie de Urban Ball FC l'année prochaine. Mohamed Achour est bas. Oh, damn, il s'est rattaché des pénaltys. Ah, il a loupé le pénalty, on s'est pas qualifié. Oh, putain. Oh là là. Le public est chaud. Le public est chaud. Bon, j'ai une question à vous poser. Il a loupé le pénalty tout à l'heure. Mais il a marqué maintenant. On le vire ou pas? On le vire. Il a loupé le pénalty, mais il a marqué maintenant. On le vire ou pas? Dites-le dans les commentaires. On le centre. Oh, damn baby. Bon, on va aller voir notre ami Abdoulaye Sarr pour confirmer avec lui ses impressions sur ce match. On est en train de battre la team Abdoulaye Sarr, les gars. Regardez-moi ça, on est en train de faire la différence. On a attiré le public tellement équipe notre jeu, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je pense que je vais rentrer là, on se fait critiquer les gars. Je rentre tout de suite.
C'est ça qu'on veut voir, nous. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, je vous ai dit, les gars. Mais c'est vrai, tu vois, je vous ai dit. Nous, si on veut, on transforme un tournoi, frérot. Fais le truc. Oh là là, il avait tombé. Il est tombé par terre. Il est tombé. Oh. Oh, pas mal, pas mal, pas mal, le petit AK. Pas mal, le petit AK de l'autre pied. Sors, 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 sors. Oui, 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 gamin, oui, gamin, oui, gamin, oui, gamin, ça arrive, ça arrive. Oui, oh, 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 la blessure au talon d'Achille, on va rentrer se faire plaisir pendant quelques minutes. On va essayer de faire sortir quelqu'un. On se met sur le côté droit avec mon gars Sensko. On va voir ce que ça donne. Parti. On va passer au tir au but. Ok, la pression les gars, pour cette séance de pénalty, Pierre feuille ciseaux face à mon gars Abdoulaye Sarr, t'es prêt? Okay. Pierre, papier, ciseaux. Yes. Putain, c'est fou. Oh, 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 je suis un sorcier. Je suis un sorcier. Les gars, vous voulez quoi les gars? C'est toi qui tires en premier. Allez Abdoulaye. Le prof. Deux doigts. Ouais. C'est rare, facile. Facile. Ça se voit, il a tué la grosse. Dommage, dommage, dommage. Je vous explique, hier j'ai fait un petit pont contre un arbitre qui m'a charrié pendant 10 minutes pour mettre un petit pont. J'ai mis le petit pont bien sûr, mais il était chaud. Là, bon alors il a dit que lui il était pas arbitre, il jouait au foot, ça y est joué, donc on va voir ça tout de suite. Attends. C'est ça JS. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ça. J'ai marqué, mais qu'est-ce qui se passe, frérot? Gardien, j'ai confiance en toi. Rappelez tout à l'heure, Momo il a loupé le pénalty. Là on lui laisse la chance de se racheter, rattacher. Je prends mon téléphone, s'il marque je le follow. S'il marque pas, bah je reste en follow. Allez Mohamed. Ça y est Moha. Dommage, JM. Bon, j'ai marqué pénalty. JMK s'est fait hypnotiser, on va dire ça. Il va prendre sa revanche tout de suite. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Je pense qu'on va unfollow tout de suite Sesco. Bon, j'ai mon téléphone virtuel et c'est unfollow. Alcoolis. Oh, 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 oh,
Voilà, allez, tu bosses. Vous avez vu, victoire sur les pénaltys. On s'en sort bien pour une fois. Voilà, première victoire depuis 10 ans. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, c'était lourd. Et là, on va aller tout de suite voir la finale de ce tournoi. C'est parti. Salut, tu penses, on a finalement gagné au pénalty face à la team Abdoulaye Sarr. C'était chaud. Dédicace à eux. Et là, on va passer directement à la finale entre le PLS Gang et la team Valienar. Ça va être chaud. Deux équipes très solides. Mais qui va gagner le tournoi? Dites-le moi en commentaire. C'est parti. Vous voyez ce gars là qui vient de marquer, il a le numéro 21 et vous savez que le numéro 21 c'est le numéro fétiche de Tonton Céane. On va devoir se battre pour savoir qui a le numéro 21. Il a gagné le tournoi, c'est vrai, mais il s'est pas rendu compte, mais dans les rushs là, je t'ai mis un petit coup quand tu marchais. C'est vrai, je suis d'accord, j'assume. Donc à vous dire dans les commentaires, qui doit garder le numéro 21. Là c'est un petit pont là, YouTube. Attention, c'est parti. Tu vois ? Ouh ! Elle est bonne. 1-0. Lui qui a gagné le tournoi ou lui qui a créé un petit pont du milieu de terrain de je sais pas d'où sans rien voir. Voilà, c'est vous qui décidez. J'étais obligé. Bon voilà les gars, avant de quitter cette vidéo, je voulais remercier le PLS Gang, ici Jolan et Samir, d'avoir organisé. Franchement les gars, c'était au top. C'est votre premier tournoi. Ouais. Je sais que vous êtes sur YouTube depuis peut-être un an, un truc comme ça. Ouais, deux ans. Deux ans, franchement, c'est lourd. Dédicace à vous parce que c'est pas évident de gérer des youtubeurs, des équipes sérieuses, c'était compliqué, vous avez fait les choses bien. C'est lourd, si vous avez perdu en finale, vous êtes un peu déçus. Un peu dégueu. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait la CN Cup, j'ai perdu en finale contre Vinsky. C'est pas grave, les gens ils ont kiffé ce que vous avez fait, en tout cas vous avez bougé les culs et c'est super dur d'organiser et de participer en même temps, c'est vraiment le plus dur. Donc on peut dire que tu vois, ça a joué dans la balance, merci en tout cas. Et j'espère le meilleur pour les prochaines éditions. J'ai kiffé, c'est lourd, J'ai mis mon petit geste tranquille, voilà, là, tu vois, normal. Voilà. Allez les gars, on se fait sur la prochaine séance. Bye. Bye.